Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3. On incarne maintenant l'Empire français. Bon aussi, soit dit en passant, l'Empire italien, le Royaume d'Asturie, le Royaume de tout plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a déjà? Empire de France, Royaume de Bretagne, Royaume d'Aquitaine, Royaume de Valence, Royaume de Romagne. Duché de Normandie, duché de Bretagne, duché de Rouen. Mais pas un autre empire là sur la création? Ah oui non. Il fallait que l'on crée justement. Voilà quelques petites choses. Vous pouvez vassaliser le prince de Palerne. De Salerne. Oui, on va lui proposer la vassalisation. Et on va faire un petit peu de tri là-dedans. Bon, je vais manquer d'argent par contre. Je vais clairement manquer d'argent. Alors, on va créer les duchés un par un, hein, il n'y a pas trop le choix. Duché de Calabrie. Calabre. Tout court, pas Calabrie. Alors, duché de Calabre. On va le donner à au duc Gaimard, le fier de Salerne. Ça coûte cher. Duc. Gaimard. Attends, mais il est déjà duc? Je suis en train d'y penser là, mais il est déjà duc lui, non? Non, c'est pas un duc, c'est un comte. Hein. Ah si, si, c'est un duc, merde. Duché de Salerne. Comme ça, il est déjà duc. Duché de Salerne, je viens de le créer. Et... De Calerne. Non, non, j'ai failli faire un peu une petite bêtise. C'est ça. Donc c'est le comte Julien de Reggio de Calabre. Eh ben dis donc. Ça en rallonge ça. Accordé à Comte Julien de Reggio de Calabre. On va passer au duché de Savoie. Hop, duché de Savoie, baronnie de Moutier. Et c'est le comte Ulrich de Aosta. Ulrich de Aosta. Il est où lui? Le Richter Hostal. Suivant, le duché de Lombardie. Il est planqué derrière. Alors, avec la baronnie de Milan. Ah oui, c'est la fameuse prince-princesse. Princesse Ermengarde d'Italie. Accordé à... À elle. Du haut de ses 44 ans. On dirait que la pauvre, elle en a plus. C'est quand même bizarre. Allez, on accorde le titre. Ensuite, le duché d'Emilia. Juste en dessous, au sud. Baronnie de Modène, le comte Philippe de Modène. J'ai plus beaucoup d'or.
Heureusement, on a réussi à rançonner quelques petites personnes. On me dit les contrats. Petit-fils, petit-fils, maître espion, ça ne m'intéresse pas de suite. Ensuite, le duché de Piémont. Hop, Piémont-Sardaigne. Baronnie d'Asti, c'est le comte Gottfried de Montferrat. Ah, je peux encore, oui. Créer le titre. Comte Gottfried de Montferrat. De Montferrat, c'est celui-là. Ok. On gagne encore un peu d'argent. Toi? Ouais, mais ça c'est pas grave, tu vas avoir le temps de faire des gosses, toi. Ah là là. Des rois qui s'attendent à une bonne place dans mon royaume. Quelle idée. Dans mon empire, pardon. Dans mon empire, dans mon empire. Que dis-je, mon royaume? T'as un cap? T'as un cap, que dis-je? Un cap. Une péninsule. La péninsule italienne. À Gênes, c'est la comtesse Anastasia de Genèse. Question de châtiment. Ma fille Victoria est venue se plaindre à propos de Loane qui la martyrise. Elle a commencé à demander comment faire prendre. Pendre quelqu'un. Faire prendre quelqu'un. Lâche, non. Oui, bon, ça va. Ils sont formés contre vous. La grande cité de l'Uni. Oui, ouais, tu vas faire ta vie, toi. Comment s'appelait déjà la comtesse Anastasia de Gênes? Alors, comtesse. Anastasia de Gênes, hop. Voilà. Inspiration d'un contrat avec des mercenaires. Il faut juste que je fasse attention à ce que j'ai pas trop de rébellion en interne. Ça devrait venir du voir le pape, tu veux pas me... T'as pas d'argent, ouais. Ouais, t'es pauvre. Parce que là, t'es mon bon voisin. Hein. Oh, bon voisin, roi des forêts. Non, c'est pas ça. Vache. Il y a une chier de... C'est où, ça? Ah, pour un comté? Non. Lothaire, 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 Lothaire. Que des comtés. Prince Carloman, comté, comté, comté. C'est pas intéressant. Duché, ouais, bon, c'est mieux que rien. Un roi, un comté, c'est mieux que rien. Ça, après, c'est des guerres saintes, ça m'intéresse pas. Ça, on l'avait déjà vu. Une chefferie, mais elle est où la chefferie? C'est vraiment une chefferie? Ah oui, ah oui, non, parce que c'est... C'est une autre croyance. Invitation à la chasse, tiens, c'est parfait ça. Le duc Aldebert. Ouais, mais je crois qu'il est pas très loin lui. Je vais me joindre à sa chasse. Ouais, il est pas très loin, c'est dommage. J'aurais bien aimé visiter mes nouvelles terres.
peut-être partir sur un petit pèlerinage au bout d'un moment. Modifier l'itinéraire. Début d'activité, j'arrive en août. Oh, est-ce que j'ai moyen de passer par là-bas par hasard? Arrivé le 29, début le 30. C'est parfait. Et en repartant, je vais passer par Gênes. Venise. Frontenhausen. Et Francfort. Voilà. Donc, je vais partir quand même une année entière. Mais ça me permettra de visiter un peu du terrain. Allez. J'ai pris des mercenaires ou pas? Je sais pas du tout. Je viens de penser. Allez, un nouveau départ. De toute façon, faudra que j'aille faire un petit pèlerinage un jour. Non, je suis pas intéressé. On va passer vite, hein, ça. On va passer vite. Empire d'Italie, il me faut 850 thunes. C'est quand même pour avoir une petite chasse là qui est par là, à Nevers. On va quand même jusqu'à presque Saint-Jacques de Compostelle. Hein. Je peux commander un artefact. Intéressant. Je vais commander une armure que je n'ai pas. Oh, un insigne royal, allez. Allons-y. Oh, prouesse plus 3. Petit bonus de santé. Plus de fécondité. Résistant à la maladie. Petit bonus de santé. Oh, c'est bien ça. Hop, c'est où? C'est où? C'est là à la place de... Merde, je suis en retard. Poisson, votre vie, matelot. Voyageur, bien nourri. Oh, vitesse de voyage plus 25%. C'est bien, ça va rattraper une partie de mon retard. Alors, j'ai retiré quoi, les armures de cerf ou ça? Ou ça? Non. Je retirerai ça. Je vais mettre ça à la place. Ils sont vraiment bons. Bon bonus hein, quand même. Action dissoute contre vous, parfait. Je les ai impressionnés. Acceptation des... Ouais, c'est bien. Les Castillans. En plus, on m'accepte bien le fait que je passe. Que je me balade un peu partout. Ça augmente un peu l'acceptation locale. Ça augmente de 1%. Bon, c'est pas énorme. Mais... Toujours ça de prix. Ça fait engager, ok. Alors, oui, on peut. Ben. Danger, fuir ou égarement. Dangereux. Retrouver. C'est un vagabond. On va le retrouver, allez. Je vais devenir malade, hélas.
Augmente un peu notre contrôle dans le Maine. Ça pourra servir, lui, il fait sa revendication. Parfait. Un point en érudit. Alors, dépêchons-nous. Heureusement, je parle couramment les langues. La langue locale. Je sais pas si je vais arriver à temps. Je vais arriver à temps. Ah bah j'ai regagné là. Alors, inspire sur ma mine, effectivement. Je suis désolé sur mon visage, mon agacement. Ah oui. C'est pour l'objet là. Ok ouais. Alors en diplomatie, voyons voir. Qu'est-ce que je peux augmenter en diplomatie? Prestige mensuel par redoutabilité, plus 1%, celui d'amitié. Ah, c'est pas mal. Préparer araignée. On va préparer nos gosses araignées. Trop tard. Oh non, terrible. Pas loin en plus. Bon, c'est pas grave. Ça m'aura fait visiter les environs. Ça me va. Un duel exigé. T'es bon en prouesse, toi. Allez. J'accepte. Bon, il me faut encore un peu d'argent pour l'Empire d'Italie. Ah, chevalier rang. Non, tu es nul. On va suivre le chevalier. Oh, c'est pour l'eau guérisseuse. Ouais. Tue la bête et on le laisse. On laisse le truc à lui. On lui laisse le truc. Voilà, je vais combattre. On va pas se laisser faillir. Allez, on est de retour à la maison. Eh, faudrait préparer quelque chose là quand même. Je sais pas, moi par exemple. Revendication. Zut. Ça marche pas. J'ai pas eu moyen de lui récupérer un duché en entier là. J'aimerais bien récupérer un duché. Parce que là, ils ont bouffé, il a bouffé du. Il a bouffé des territoires là en plein milieu de chez moi, j'aime pas ça. Le trésor de l'empereur. Cadeau accepté. Qualité légèrement supérieure. Oui, c'est moi qui suis honoré. Hop. Allez, on va bien aller quelque part au bout d'un moment. Ban, truc de Diocidé. Ah, ouais, ok, c'est là. Manada. Si, il faudrait que j'aille lui récupérer son territoire, mais ça fait une guerre sainte ici. C'est pas intéressant. Si j'ai qu'un seul truc à lui récupérer. Ouais, c'est pas fou. C'est comme si c'était fait. Là-bas, ça veut pas prendre de plus qu'un comté. C'est pas cool. Je peux pas. Acheter de revendications non plus ici. Bon. Pourtant, j'ai une revendication sur tout ce territoire, non? Ah non. Mais non, non. C'est pas le bon. Luxembourg, j'ai 9 châteaux, j'ai vos couleurs braies.
Et barre, je crois que j'ai pas bré, je crois que c'est ça le truc. Il m'en manque un, on va voir ce que ça donne. Pendant ce temps-là, je vais aller récupérer un petit territoire en Navarre. On va lever nos troupes ici. Ici. Voilà. Inspiration, liberté créative. Bon, pour, moindre qualité. Ah ouais. Ça. Meilleure qualité ou moindre qualité? Oh, on va essayer. Meilleure qualité, yes. 33% pourtant. C'était pas gagné d'avance. Hein. Et pendant ce temps-là, prince de Bordeaux. On va voir s'il va te rejoindre, le prince de Bordeaux. Allez, revendication. Voilà. J'ai pas mal de prestige pour une fois. C'est grâce au duché créé. Ok, il vient défendre sa capitale, il va pas aimer la blague. Vassaliser le prince Albéric II. Il est où lui? Ah, Bénévent. On va accepter la vassalisation. Excellent, excellent. Bon, je suppose que je vais devoir recréer des duchés. Royaume de Sicile, duché d'Apulie. Ouais. Bon. Duc Adelekis de... Comment ça, duc? Comment ça, il est déjà duc? Bon, bah, il aura deux duchés, lui, il aura de la chance. À moins que je le file à la comtesse Agnès. Puisqu'elle a déjà un duché, ouais. Comtesse Agnès de Barry. Allez, c'est parti. Comte. Comtesse. Agnès de Barry. Hop, on lui accorde et on va créer le royaume de Sicile. On va avoir besoin d'un petit peu d'argent pour le reste, mais bon. On va l'accorder le royaume de Sicile à qui? À mon gamin, hein. Alors, on va donner au gamin. Il reste mon vassal. Voilà, comme ça, tu iras. Ah, je peux faire quoi? Transférer le vassal? Oui, parce que c'est pas au bon endroit. Hop, parfait. Oh. Attends, ils sont en train de perdre là? Comment ils sont en train de perdre? C'est quoi la blague? C'est quoi ce nul? Sans les renforts. Heureusement qu'il y a les renforts, on se prend une défaite. Hein. Je sais pas comment. Bon, ok, ils ont l'avantage en montagne, mais quand même. Bon. Pas bon pour nous cette bataille. Heureusement qu'on a la supériorité numérique. Hein.
Le gracier, votre salle, excommunication. Oula non! Comte Nicolas, comment ça j'ai un vassal au comte Nicolas? Qui tu es? Bon, c'est mon vassal direct lui. Ah non, pour excommunication. Moi j'emprisonne hein, pour excommunication. Faut pas déconner quand même. C'est fou quand même, 3000 contre 1500. J'ai vu une journée jouer avec un arc et ma grande surprise est tombée sur une biche blessée. Comme a montré l'animal, cette blessure témoignait d'une mort lente et atroce. Victoria a juste souri. On trouve que vous pouvez abattre une bête de vous-même, non? Faire entrer sadique pour ambitieux. Faire qu'elle soit ambitieuse que sadique. Bon. C'était en pause. Le fruit de l'inspiration. Ok, on a un signe normal. Contribution des impôts. Ah, plus. Ok, ok, on a un bibelot. Il manque plus qu'une arme. Parce que là, on vieillit et on va perdre petit à petit. On commence à perdre petit à petit en prouesse. Sniff. À 50 ans, hein. 54 ans, c'est moche. Secret dévoilé. Chez Flandre. Ah, arrêtez. Arrêtez de bip partout là. Moi ça le duc a apporté des éléments comme que Gauthier, le mort le maître sont vraiment... Oui, d'accord. Faites-le avec discrétion. Bon, je vais aller le poursuivre lui. Je vais aller le poursuivre. Normalement en défense on est censé gagner, hein, surtout qu'ils sont vraiment beaucoup moins pour le coup. Vous pouvez demander de l'or à votre chef de foi, parfait, on va pouvoir créer le royaume d'Italie. L'Empire d'Italie, pardon. On crée le titre. Tadam. Et voilà, on est maintenant empereur d'Italie. Empire de France, empire d'Italie. Magnifique, n'est-il pas? Dans une petite bataille, on aurait gagné tranquillou. Un soldat a réussi à blesser. Bien joué. Bien joué, mon vaillant soldat. Ah bah, j'ai même capturé le roi. Grâce à cette belle bataille. Hop. On va appuyer nos exigences de paix. Ainsi soit-il. Voilà, on lui grignote un peu du territoire petit à petit. Faudra trouver notre prochaine cible, hein, les amis. C'était pourtant l'intention que votre patriarchie, là, aurait eu vos revendications. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est... Non, mais non. Oula. Ah, Lothaire, là? Qu'est-ce qui se passe chez Lothaire? Contre la tyrannie du roi Lothaire II.
Intéressant, intéressant ça. Et ça pouvait même se dissoudre, je dirais pas non. J'aurais bien aimé l'aider, mais je peux pas. Alors, c'est là où ça devient très intéressant. C'est que la principale héritière du... du royaume de Lotharingie, c'est la fille de mon allié. Ah non, c'est la fille du Byzantin, c'est pas la fille de mon copain. De mon copain, de mon pote, quoi. Basileus. Basileos. Pierre Byzantin, non. Ah, j'ai cru que c'était un Valache. Je me suis trompé. Naples? Comment ça, Naples, tu... Oui, alors déjà, on va rançonner. C'est un duché, ça? C'est un comté de Naples. Comte Stefano de Naples. Non, personne ne veut son territoire, très bien. C'est pas intéressant. Compte machin. Non, maintenant c'est encore une garçonne, c'est pas intéressant. Le roi Lothaire, j'ai toujours pas de revendication sur, sur ce territoire. Il reste 2 ans? Comment ça, 2 ans? Mais t'es vachement long, toi. C'était 15 mois avant. Ouais, est-ce qu'on n'irait pas récupérer ce petit territoire là? Mais bon. Un petit comté là. Je peux pas les vassaliser. Je connais pas leur langue, tiens, je vais l'apprendre. Donc une raison dans sa sonnette dans des narrations. Il a donné des revendications sur le comté de Reggio en Calabre. Bon, je vais aller récupérer ça, hein, je crois. Même pas. C'est vrai qu'après, je pourrais revendiquer des territoires byzantins. Parce que là, il est fermé grâce à ces montagnes un peu là. Ah, il a perdu sa femme, lui. T'as perdu ta femme, Paul? On va t'en trouver une autre. T'as de Vecchio, c'est pas assez. Oh, revendication sur Royaume de Bulgarie. Il est où, il est par là. Je la garde de côté, elle. Sacrée revendication ici aussi. Moi je peux pas voir là tout de suite. Voilà. Après c'est en Angleterre. Il
Est-ce que j'irai pas un coup en Angleterre? Le problème, c'est qu'il y a le Dunlow là qui est qui sont un peu trop forts. Non, 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 je veux pas aller là-bas. Vraiment la flemme. Alors, on va chercher encore d'autres. Hein. Domaine galloise, française, comté. Comté. Ok, on s'est arrêté là. Oh, une question sur les. Ouais. Que des comtés. Voilà, ça revient. Oh, princesse Mélusine de Lotharingie. Ah, j'ai une capté un truc. La pauvre, elle a 7 ans. Elle a des bonnes revendications. Ah! Ouais, mais elle a des revendications sur la Lotharingie. Ah, je suis désolé, hein. Ça va être un. Des risques de consanguinité. Ah bon? C'est pas mon héritier de toute façon, Paul. Bon, voilà, c'est pas grave. Pour éviter d'engendrer élevé. En parenté, il y a des risques d'enfants consanguins. C'est bon, on n'était pas au courant, on va dire. T'inquiète! Et puis à l'époque, ils savaient pas trop. Enfin, ils étaient déjà compte base, donc. C'est pas trop de problème. Bon, le fait que maintenant, on est allié avec eux. Donc, on va apparemment devoir les aider. Juste arrivé un peu en retard en fait. Là ils sont en train de se faire fumer. Ah bah je vais juste. Je vais mettre là au cas où là, le point. Mais non, il est en train de perdre. On va arriver en retard. Ah, c'est pas grave, on va perdre la guerre, mais c'est pas un problème. Mais ça on le verra dans le prochain épisode. Voilà, si on peut affaiblir le petit royaume de Lotharingie, on va pas dire non. Hein, franchement. Allez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous propose de me retrouver dans le prochain pour voir un peu bah, ce qu'il adviendra de la Lotharingie. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.